La 13e promotion de l'UNSOA d'Agadez compte des sous-officiers originaires du Cameroun, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal, du Togo, du Tchad et du Niger. Baptisé promotion lieutenant Rabiou Inoussa à travers une cérémonie mémorable saisie par le commandant de cette école de référence sous-régionale pour galvaniser les récipiendaires dans le sens de servir leur pays avec honneur et dévouement, un engagement de toujours, a-t-il martelé. Dans tous les cas, tout en restant conforme aux principes de la légalité, soyez impitoyables et implacables envers l'ennemi et gardez à l'esprit, quand le pays est menacé, le devoir de tout soldat est de se battre sans réserve jusqu'au sacrifice ultime. La mort n'est pas étrangère à notre travail. Si elle doit nous côtoyer, nous devons l'affronter avec honneur et dignité, car toute âme goûtera à la mort. Après la pose des galons suivie de la prestation de serment, et bien avant de remettre le prix au major de cette promotion, lieutenant Rabiou Inoussa, au nombre de 88 au total, Al-Kassoum Indatou a rappelé les actions de l'État et de ses partenaires qui concourent à améliorer le cadre sécuritaire dans notre pays et dont la formation des hommes reste une préoccupation majeure. L'État du Niger poursuivra ses investissements pour améliorer le cadre de vie et de travail des militaires de cette école. Au-delà de cette école, les forces armées vont bénéficier à travers le budget national de la mise à niveau de toutes les institutions de formation de l'armée. Occasion pour cette 13e promotion de l'UNSOA, lieutenant Rabiou Inoussa, de procéder à des mouvements d'ensemble démontrant leur habileté et maîtrise du maniement des armes et une parade militaire. Le ministre de la Défense nationale a aussi visité l'amphithéâtre équipé de matériel nouvelle génération au sein de l'UNSOA. En outre, Al-Kassoum Indatou devait présider une réunion du Conseil régional de sécurité, étape après laquelle il a mis à profit son séjour pour effectuer une visite de courtoisie au sultan de l'Aïr, son Altesse Oumarou Ibrahim Oumarou. Yeah.